passe à un passage dans un livre, un texte, un petit passage de Charles de Foucault qui disait Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Et bien, quand j'ai découvert cette petite phrase, je me suis dit qu'il avait raison, c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, j'allais dans l'église de la réconciliation quand elle était vide. Bien sûr, je participais aux offices, mais j'y allais aussi pour des temps de silence avec cette question Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Et il s'est passé quelque chose. Alors après cette expérience, j'ai douté, j'ai pensé que c'était peut-être une illusion psychologique. Puis en rencontrant d'autres chrétiens, des gens des communautés nouvelles, de l'Emmanuel, tout ça, des groupes de prière, et j'ai vu que c'était pas un rêve. Et finalement, voilà, eh bien le Christ a trouvé de plus en plus de place. Enfin, du moins j'ai essayé, hein, tant bien que mal, de lui faire plus en plus de place voilà, en faisant des activités, des choses pour lui, quoi. Qui a Jésus à tout? Je crois que c'est tout simplement parce qu'elle a compris que le Christ est l'aboutissement et l'accomplissement de la révélation au peuple Israël et à toute l'humanité, toute la famille humaine, que Dieu est un père. Israël le savait déjà, le Christ est venu le confirmer et surtout donner l'enseignement à Nicodème, hein, à lui dire que voilà, il est possible d'entrer dans le royaume des cieux. Pour ça, il faut vivre une nouvelle naissance. Alors moi je suis dessinateur, donc j'ai très vite d'ailleurs pensé après ma conversion que ce qui manquait aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est pouvoir donner des éléments d'information aux gens, pouvoir les aider à réfléchir sur ces questions-là, enlever des malentendus. Et donc je me suis beaucoup attaché à faire des bandes dessinées qui sont des enquêtes, des réflexions. Il y a une série qui s'appelle Les Indispensables et qui est faite pour justement aider les gens à nourrir leur liberté, leur réflexion, pour qu'ils puissent faire des choix libres à propos du Christ et de Dieu. Moi, je lui dois beaucoup, puisque j'ai travaillé ici aux Apprentis d'Auteuil pendant 10 ans, certainement grâce à elle, grâce à son piston, comme on dit, et dans la communication, dans le journal, voilà. Et tout ce que je fais maintenant, je pense qu'il y a un lien avec Thérèse, puisque, encore une fois, c'est un peu cette même intention d'enlever des malentendus sur Dieu, sur le Christ, d'enlever tous les malentendus qui empêchent les gens d'aller sur ce chemin.